Salut, salut YouTube. Bon, on était ouf. Alors l'épisode 3 du voleur est tellement nul. La montrice, on a fait chat 1, machin. Qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais faire tout le voleur, mais l'épisode 3, il est tellement chiant. Et là, je ressors du Slay Spire et un peu fort le jeu, par contre. Je pense, lui aussi, t'as raison. Désolé, YouTube. Hein. Titre. C'est où les options? Échappe. En fait, il y a certaines musiques qui sont fortes et d'autres pas. Et je trouve ça un peu idiot, en fait. Mais bon. Bon, bref. Alors, fais voir ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on a là? D'augmenter les dispositions de l'équipement ennemi est amélioré. Ah! Bon, on va faire le robot niveau 5. Niveau 4. 100, c'est trop. Baisse la musique, je pense. Ouais, mais non, mais j'ai baissé le volume principal, quoi. Je le mets à 0, le volume principal, il n'y a plus de musique. Toi. Ah, peut-être juste la musique, hein. Ah, c'est bon, on entend quelque chose ou. Vas-y. Ah. C'est reparti pour DLC Donjon. Oh non. N'oubliez pas que si vous souhaitez participer, il vous suffit de nous écrire en nous décrivant vos désirs les plus inavouables. Ah. Pas la peine de laisser d'adresse, nous serons toujours où vous trouvez. Attendez, il me faut une perruque rousse pour faire les dialères. Attendez, bougez pas, j'ai ça en plus. J'ai ça sous le bras. Ah bah non, c'est trop tard, je viens de finir à doubler, mais sinon je l'avais. Hein. La perruque rousse, la voilà. On verra ça pour la fin du... Faut me le rappeler par contre. Hein. Alors, équipement, qu'est-ce qu'on a? On a un pistolet à rayon et un blaster à plasma. D'accord. Ok. Très bien, c'est parti. Donc les ennemis sont plus forts, ils ont des équipements améliorés. Enfin, ils sont plus forts, ils ont plus de PV, ils ont des équipements améliorés. Ouh. Ah ouais, ça commence déjà. Ah ouais, ça commence. Le premier tour, le jeu... C'est quoi ça? Ça commence. Ah non! Le coffre! Ah non, on laisse le coffre! Ah non, la base du... J'ai rien compris. Ah! Excusez-moi. Alors le robot, je vais expliquer, hein, je vais réexpliquer. Le robot, en gros, c'est quoi le principe de ce personnage? Voilà, bah, je t'inquiète pas, ça va arriver. Je vous explique. En gros, il n'a pas de dés, il n'a pas un nombre de dés qu'il lance par tour. Il a un compteur CPU, qui a un cible 9, en fait. Et à chaque fois, quand on se balance un calcul, il va me donner un dé, paf, 2. Et bah comme c'est un 2, ça avance de 2, en fait, dans le compteur CPU. Sauf que si ça dépasse les 9, et bah en fait, tous mes dés sont virés, et tous mes équipements sont virés. En fait, en général, il faut les utiliser avant. Par contre, si j'atteins juste le 9, j'ai ma limit break, en fait. Et mon jackpot, c'est... en fait, je vais avoir autant de dés pour avoir la limite de ma limit break, en fait, de ma cible. Donc tout à l'heure, j'ai eu pour 9, en fait. J'ai eu 4 dés pour 9. C'est nul. Mais c'est nul. Mais sous ma gueule ce jeu. Ouais, tout simplement. Et en fait, quand on va gagner des niveaux, on va pas gagner de nombre de dés, vu qu'il y a toujours pas de dés. On va gagner des compteurs de CPU. Coup de bol. Ah, j'ai pas vraiment forcé, vous savez. Allez-y, Kenny, si ça vous amuse, je m'en fiche, moi. Je suis un zéro, moi, je suis un émo. J'ai plein de followers sur Facebook. Elle a plusieurs CPU. Et il faut comprendre l'objet. Hein, parce que... Max 3, ouais, voilà, toi, un truc qui soigne, c'est pas c'est important. Voilà. On va taper la dryade.
Eh bah, coup de bol. Quatre poisons. Saloperie. Ah, il est sympa comme personnage. Il est très très sympa. J'aime beaucoup jouer le robot, c'est un de mes personnages préférés. Hein. Attends, on balance encore 4 poisons. Ouf. Oh merde, je peux pas le tuer. Ah si, non, je peux pas le tuer. J'aurais dû faire régénération avant. Même si c'était un PV. En mécanique, père. Plus 1 dégâts, plus 1 à chaque lancé. Reste pas mal ça. Mécanique. Allez, le bébé poulpe. Le bébé poulpe qui s'est fait virer. Il s'est fait virer, le bébé poulpe. Mais, là, oh, caméra. Oh, oh. Eh, dépêche-toi, l'autofocus, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il se passe? Merci. Qui s'est fait virer, le bébé poulpe? On est dégoûté pour lui. Hein. Alors. Nief. C'était un 3. Donc ça fait 7. Ah ah. Merde, il va mettre la max là. Pas grave. Non, non. Calme-toi. Enfin, ça, ouais, c'est un personnage qui est vraiment sympa à jouer. Sauf dans le troisième où c'est différent en fait. T'as plus le compteur CPU et. C'est l'anxiogénarium. Allez, ensuite on a cet équipement là, qui fait la lame des bugueuses, qui fait des dégâts qu'on met, hein, c'est immunisé contre les bugs, le bug c'est quand tu dépasses ton compteur CPU. Et ensuite à ça c'est double dégâts doublés sur un jackpot, mais je préfère prendre la lame des bugueuses. C'est plus fort je trouve. De dégâts carrément fort souple. Toi, elle avait quand même la lame des bougueuses, donc c'est pour ça c'est assez fort le... La lame des bougueuses, c'est que malgré tout tu sais que tu vas avoir quelque chose. Au moins un dégât quoi, si tu dépasses pas plus de 1 parce que sinon t'as le jackpot. Balle de jonglage, max 3 ou 3D, ça peut être pas mal. Je crois que je vais prendre la. Ah, le court-circuit c'est pas mal aussi, mais ça coûte cher. Mais... Ah, on peut acheter les deux, la balle et le court-circuit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On achète les deux. Allez, on achète les deux, vas-y. Quand t'as beaucoup de CPU, on est content. Qu'est-ce qu'on va virer? Le pistolet à rayon. Le pistolet à rayon, on s'en fout un peu. C'est pas très fort le pistolet à rayon. Bon, circuit. Ouais, donc là, c'est la partie du plaisir. On se détend hein, après notre Slay Spire qui nous a stressé. Là, normalement, ça devrait le faire. Hop! Oula.
plus compté. Ouais, c'est un dé. Il faudra un compteur CPU plus important pour que le truc que j'ai pris soit efficace là. Le court-circuit. Ça, j'ai pas de terre. Allez, oh non, un poison, c'est nul. Ça, j'aurais pu mettre un choc ou un aveuglé. Ou... La vache! J'ai le Miss Létal là. Putain, 4 brûlures, non mais. Faut arrêter, les gars. Pire ennemi, quoi. Chanteur, ça va être relativement simple, je pense. Ouais, j'ai pas assez de CPU. Là, il va me balancer 5 de dégâts, ce gel 5. Hein, bah, ça c'est une bénédiction, ça. D'affilée. Ah, j'ai eu un succès. Ah, dommage. 5 poisons, ok. Mais sous de ma gueule, là, le jeu, ou quoi, là? J'ai fait. Bon, plus 2 en CPU, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter ici? On tourne un dé, combine un dé. Une capacité de jackpot supplémentaire, c'est pas terrible. Ah oui, c'est des compétences améliorées. Ouh. On sait bien en fait, le gel nous on aime bien, hein, parce qu'on aime bien avoir 2-1 au début. Ça nous permet d'avoir plein de dés. Ok, quel truc on a? Un dégât ou 3 1D, valeur plus 1. Ça c'est quoi? C'est balle de jongler, hein, dégâts. Et l'autre ça va jusqu'à un 5, mais ouais. Oui mais non, la balle de jongler c'est mieux, la triche lame. Alors on va y aller, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Entrez, prenez un siège, enfin! Ne l'emportez pas avec vous dans les donjons, ça serait pas super pratique à travailler. Et toi, tu peux prendre un siège, hein, ou un marchepied, hein, si tu veux. Pas de soucis. Hein.
Ça, c'est du DPS simple et efficace. Et ça, triche lame. Un dommage, bomb dice. Ah, par contre, c'est deux utilisations, mais ça prend que deux fois, ça fait deux fois un dégât, hein, c'est nul. Non, la lame d'ébouillage, ça paraît con, hein, mais c'est du DPS simple et efficace. Et assuré. Oh, le feu follet, c'est très rare, comme, enfin, c'est assez rare de tomber dessus. Bricolo, ouais. Le bricolo, je crois qu'il est pas très fort. Feu follet, on n'aime pas le feu, nous. La glace, ça nous dérange pas, mais le feu, avec ce personnage-là... Mais vas-y, mais plus encore. Bon. C'est un peu con, ce donne. Mais pourquoi tu m'as pas lancé un choc, espèce d'abruti? Enfin, moi je m'en fous, hein, je le prends. Hein. Ah. Allô? Si je fais ça... Ah, dommage. Remarque, j'aurais pu faire plus de dégâts si mettais 6 et 1 là. Je comprends. C'est pas grave. Mais voilà, tu me lances un choc, c'est plus fort, hein, faire un choc que ton lance-boulet est nul, le lance-boulet. Même s'il est amélioré, pas de dit. Soigner à balle, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors ça, qu'est-ce qu'il veut qu'on échange? Balle au jonglage contre un gaspillage d'une capacité déjà... Non, c'est non. Cristalline, si bonne. On va commencer par balancer un petit machin comme ça. Alors. Bonjour. Ça, ça, une tour régénération. On verra le tour d'après. On verra le tour d'après. Aïe! Alors le gel, ça ne me dérange pas, mais par contre, les dégâts qu'on a pris, je dois t'avouer que ça me gêne un peu. Bon, je peux le tuer à tout moment. On va essayer d'avoir... Ah, le jackpot. Hop, allez, dégage. Ça va, ça soigne quand même un peu. Hein. Mais j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça soit un peu faible, mon histoire. Ça peut être la prochaine attaque, c'est nul. C'est nul. Je suis pas fan, moi, des trucs à compteur. Dès le début, on va lancer. Allez. Il résiste au feu. Ah non, il craint pas la glace, mais il résiste au feu. Inflige un disparition. C'est quoi ça?
Ça c'est tout. Ça fait quoi disparition? C'est genre il me bute? Les dés dupliqués sont immédiatement détruits. Ah d'accord. C'est 5. De toute façon, c'est bon, ça passe. Ah, on a notre niveau, on se génère. Compteur de CPU moins, alors ça on le prend. Dissipateur de chaleur, c'est très très fort. Je pense que de toute façon, ce qui va virer, ça va être la balle de... Le bras mécanique, on s'en sert pas beaucoup, mais avec le dissipateur de chaleur, en fait, il devient fort. On retire les balles de jonglage. Celle de soin, j'aimerais bien le garder quand même. Pour soigner parce que sans lui ça fait longtemps qu'on serait mort. Calme-toi. Oh. On avait rien de céder. Oh, c'est un 1. Oh, c'est du foutage de gueule. Empoisonné, ma maudite. D'accord, super. Ça va, sinon ça se passe bien. Hein. Ah non, je devrais lancer normalement et ensuite. Oh mon dieu. Je le laisse à un machin. Bon, il peut pas utiliser ce dé maintenant. Je devrais essayer d'avoir le compteur. Je suis con. Si j'ai le compteur, j'ai un soin. Un soin gratos. Alors. Voilà. Dissipateur de chaleur plus. Et là, c'est fort. Et là, c'est bon. Super. Ah, non, c'est pas terrible. Solis, cosplayeuse, Kraken. Le Kraken. Calme-toi. Mais je t'ai dit de te calmer, mec. J'ai l'impression de te foutre de ma gueule un peu là. Ah. Ah, il est maudit. C'est excellent. Ah ah. T'as voulu me maudire, mais non. C'est toi le maudit. Je suis aveuglé sur 4. C'est pas un... Attends, c'est au-dessus. C'est 5. C'est 5. C'est 2-5, tu vas me dire. Parce que c'est pas des paires et c'est pas en dessous 3 ou en dessous. Donc j'ai 10 là déjà, sur 13. Donc ma vie c'est de la merde quoi. Le jeu est en train de me dire ça quoi, clairement. Oui, forcément. Ouais, je vais prendre le 5. Merci le jeu, merci. Le jeu il m'a bien mis. M'a dit non, non, comment ça se fait que tu gagnes, toi? Non, non, t'as pas gagné. Bon, je suis maudit, je suis aveuglé, j'ai le typhus afghan, la chasse alsacienne. Ça se passe bien, quoi. Bon, j'ai un, deux, machin, gna. On va prendre la régénération. On va
Ok, ça c'est un gros dé. Bon, ça c'est maudit. Bon, ça c'était un gros dé. Putain, c'est pas possible. J'aurais pas dû prendre la régénération. Aha! Brou. Brou, brou. Brutif. Tiens! Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'était un 1. Bravo. Putain, mais c'est horrible tes bruitages. Allez, une fois de plus, je vous fais éruption. Je me repose un sommeil insondable. Vous êtes content de vous? Oui. Vous êtes content? Vous êtes content. C'est pas juste, hein. C'est pas juste, hein. Contre surveiller le dé machin, doubler la valeur du dé. Bon, je veux m'assurer. Donc la cosplayeuse, elle a des grosses attaques au début. Si je me souviens bien. T'es sérieux? Pas sérieux là. Bon, je lui fais des gros dégâts moi aussi au début. Elle m'a verrouillé un dé. Saloperie. Elle m'a verrouillé un. Faire 9, ou je peux faire 4, ou je peux faire 5 à un état aléatoire. On va faire 9. Il faut vraiment que je la tue le tour d'après. Oh, elle me verrouille 2 dés, bah bravo! Bravo le veau, quoi. Tant pis, ah, c'est pas quoi. Ah, ça marche pas, tiens. Hein. Alors, bon, ça va, 34 PV pour tuer le soliste ou la soliste ou le soliste, je sais pas quoi. Ah, c'est une femme. Bienvenue à tout le monde, là, je vois qu'il y a un petit peu de monde qui arrive. J'ai deux trucs affaiblis, mais c'est... Ah, c'est ça, celui-là, l'autre. La braquette mécanique, 6... Ah, c'est un 6. J'ai un état, c'est tout. Oh, un gel, tiens. C'est bien ça. Et hop, ice time. J'en prends deux FB. Si ça le soin, c'est moins grave. Ça monte trop vite à mon goût. Putain, c'est pas vrai. Ah oui. Ah oui, c'est ça qui me balance. Oula. Oh,
Oh, on gagne nos PV. Niveau max. Plus de CPU, ça c'est très très bien aussi. Est-ce qu'il y avait des... Y a pas une amélioration à acheter, hein? Non. J'ai 7 pièces d'or, ça me sert à rien. Le robot versus Buster. Oh, Buster, c'est facile. On remarque qu'il balance du feu et le feu, on n'aime pas. On m'a dit qu'on n'aimait pas. Mais bon, dès le début, je vais pouvoir lui lancer une limite break, c'est bien. On l'a gardé, c'est vrai. Oh, je suis encore dormi. Décidément, vous arrivez toujours pendant ma sieste. Bon, d'accord, je fais des très longues siestes, alors battons-nous. Il résiste au feu, mais je m'arrache, je lance le feu. Gel, c'est bien contre lui, je crois. Bon, surtout quand tu vois des trucs comme ça. Oui, oui, voilà, c'est ça. Le gel, c'est bien contre lui. Parce que sinon, il me rebalance avec 6 de dégâts. C'est nul. Je prends quoi, les PV ou les dégâts? Ça peut aller tellement vite avec moi. Je crois que je vais prendre les PV. C'est pas terrible. Mais... J'aurais pu mettre 3 dans mon soin. J'ai gagné un de soin. Ah oui. Il va me buter. Il va me buter. Putain, regarde-moi ça, j'ai que 4D. Il me file que 4D le machin. Enfin 3D. Même si je demande un D en plus, j'aurais quoi? J'aurais 7. Je mets un 7, là je mets un machin, j'aurais. Ça fait 15. Jamais j'aurai les dégâts. Parce que là j'ai 7. 7 et 8, 15, 15, 18. Non, j'aurai jamais les dégâts. Alors il y a deux écoles. Soit on prie pour. Non, il fera automatiquement. Que comme ça je le vois. Attends. 9. Alors attends, je mets celui-là ici. J'aurai un 9 de dégâts. 9. 12. 13. 13 et... ça fera machin. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ou alors... Et là on prie. Et là c'est beau. On va voir au moins. Ouh. Oui, mais de toute façon oui. Soit j'avais en dessous 3.
soit j'avais en dessous de 3 et c'était bon, soit j'avais 3 et j'avais jackpot et c'était bon, soit j'avais au-dessus et je le tuais. Donc c'était bon, ouais, non, en plus je suis con, mon calcul était bon. Allez, j'y ai pensé à la perruque, faut penser à la perruque là, surtout qu'on a gagné de... Ça n'est fallu d'un cheveu de perruque. Qu'est-ce que tu es drôle, Ron? Bah oui, je sais, bien sûr. Ça se met dans quel sens, cette saloperie? Oui. Ça. Bon, ça ressemble plus à rien, mais c'est pas grave. Eh bien, tiens, tu as triomphé d'un autre épisode. Félicitations. Oh mais non! Oh non! Le milliard! Quelle mauvaise surprise! J'avais fait tourner la roue et c'est apparemment pas cette fois-ci que tu pourras rentrer chez toi avec un prix! On retire ça parce que c'est gênant. Alors, défi réussi à obtenir 10 1 d'affilée. Ça c'est grâce au gel infini qu'on nous a fait. Merde! Merde, perruque! Ah merde! Elle veut pas tenir sur la table! Excusez-moi, hein, désolé YouTube. Hein. Et t'as mis 2 épisodes en round éliminatoire. Ouais, d'accord. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Alors, c'est quoi ça? Le Yeti, il aime pas grand chose, n'aime pas tout le reste. Karaoké préféré, c'est trop la honte, le karaoké, bah ouais. Non, moi je suis pas fan. J'aurais dit le paradis blanc pour lui, mais. Au début, c'est. Alors, raison d'entrer dans les donjons, au début c'est intéressant, mais maintenant on laisse entrer n'importe qui. On laisse entrer n'importe qui, n'est-ce pas, dans ce donjon? Hein? On laisse rentrer les hobbits, n'est-ce pas? Et dans 10 ans, tout le monde fume du hashish, n'est-ce pas? Hein? Et va nu-pied. Alors, le magicien. Hobby, mélanger les cartes, jongler, se laisser envahir par la mélancolie. Pff. Ami d'enfance, un lapin géant de Nouvelle-Zélande appelé Pouf. Honte secrète, avoir jeté Pouf dans les toilettes pour s'entraîner à le faire disparaître. Raison d'entrer dans le jeu pour retrouver ce qui a été perdu. Bah oui, bah Pouf. Pouf le lapin. Et voilà, c'était l'épisode 4 du robot. Easy. Facile. Hein. Franchement, on a jamais transpiré. Et des bisous, regardeurs de YouTube, salut.